pour ne pas un programme radical. Ça, on l'assume. Mais la question qui est posée aux maires, elle n'est pas de savoir s'ils veulent voter pour Philippe Poutou. Elle est de savoir si, dans le paysage politique, il y a besoin, ou c'est juste démocratiquement élémentaire, que cette voix-là, elle se fasse entendre. Parce que si on n'est pas là, qui dira ce que porte, par exemple, toute une série de militants et de militantes au travers du pays pour la défense des droits des migrants? Qui dira, dans cette campagne-là, liberté de circulation et d'installation? Personne. Donc il faut que Philippe puisse dire ça, il faut qu'on puisse être présent. Je prends cet exemple-là. Jusque-là, qui a claqué le bec à Valls quand il a dit « je ne suis pas pour une société du farniente ». Oui, nous on est pour une société du partage, du travail. On est pour travailler moins, on est pour travailler moins durement, on est pour partager le travail entre toutes et tous, parce que c'est pas juste qu'il y ait des gens qui crèvent de trop bosser et puis des gens qui crèvent de pas pouvoir bosser. Voilà. Et qui dira nos vies, pas leur profit? Il y a beaucoup de mobilisations qui portent ça profondément, nos vies, pas leur profit. Nos espaces, nos terres agricoles, la biodiversité, pas le béton des aéroports. Qui va porter et dire ça de manière radicale? Il y a besoin de cette voix-là, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit présent. C'est peut-être extrême, mais peut-être parce que le champ politique s'est beaucoup dépassé vers la droite.